Cette proposition sur le Grand Paris n'est pas pour moi un exercice d'école. Et j'ai refusé le côté thèse universitaire sur le développement d'une ville post-Kyoto. Pour moi, ce n'est pas le sujet. Nous sommes dans le post-Kyoto et j'ai choisi d'essayer ce que je fais en général, de dessiner des choses qui sont faites pour être réalisées ou construites. Si on veut vraiment que Paris change, si on veut assumer les conditions de cette mutation, il faut absolument que les mesures prises, concernent tout le monde. Il ne faut pas que ce soit un changement pour les architectes ou pour le style. Il faut vraiment que l'ensemble des Parisiens voient leur vie changer. Tous les immeubles approximatifs, et Dieu sait qu'il y en a, peuvent être en fait complètement digérés, je dirais, par une série d'adjonctions, de superpositions, de brouillages, de transparence, d'inclusion, qui font que finalement une nouvelle texture se met en place et crée une nouvelle harmonie de Paris dans les quartiers les plus difficiles sur le plan de la perception déjà, mais aussi sur le plan de la vie. Donc là, on change les conditions de vie et on change l'image. Il faut absolument réduire l'impact des transports. Il faut construire sur les nouveaux centres qui deviennent les points les plus solides du maillage. Et quand on construit de cette façon-là, il faut en profiter pour améliorer tout ce qu'il y a autour. Autrement dit, il faut se connecter avec les communes qui sont concernées par cela. Il faut désenclaver les quartiers qui sont autour et qui en ont bien besoin. Et il faut évidemment créer ces lieux, ces nouvelles constructions, dans les lieux les plus beaux et en dérangeant le moins de personnes. Il n'y a pas une réalité pro-tour ou anti-tour, il y a simplement une réalité de concentration d'un certain nombre de personnes à des endroits stratégiques pour qu'ils ne prennent pas leur voiture, qui passe de façon très précise par les tours. Et je suis d'accord pour dire que si on fait un quartier entier de tours, il n'est probablement pas plus dense que quelque chose qui serait construit comme Paris. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que si on construit comme ça, c'est que là, on a un accès direct aux moyens de transport et que ça marche dans une logique de linéarité. Et il est évident aussi qu'on ne parle pas de la tour d'il y a 20 ou 30 ans, celle où on ne peut pas ouvrir ses fenêtres, où on ne respire pas, où on ne voit rien, qui est monofonctionnel, etc. On parle d'une façon de vivre la ville dans l'espace et dans certaines hauteurs, où il y a aussi des espaces publics, où il y a aussi des jardins, où il y a aussi une façon de se rencontrer. Ce n'est pas un problème architectural au sens où on le voit les trois quarts du temps en thèse universitaire, en thèse scientifique, en thèse esthétique, je ne sais pas quoi. Bon, il faut sûrement parler de tout ça, mais l'essentiel, c'est quand même qu'est-ce qu'on va créer en termes de temps de notre vie? Comment on va accueillir les futurs habitants de la ville et penser à leur temps de vie, penser à leur plaisir de vie ici? C'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de chaque génération de penser aux suivantes. Ce serait une folie de considérer que l'approche artistique et l'intégration des arts comme moteur de transformation de la ville ne soit pas intégré au même titre que l'architecture, au même titre que le paysage. On voit bien qu'il y a un malaise, quand même. On voit bien qu'il y a un malaise dans tout cet art qui est fait de plus en plus pour les galeries et pour les musées et qui est déconnecté. Bon, donc là, il y a Daniel Buren qui a travaillé avec nous et on fait une proposition qui est celle que Paris devienne le plus grand chantier de commande artistique d'art situé au monde. Et que ça se passe aussi bien dans la ville de Paris, parce que ce patrimoine, il ne faut pas lui foutre la paix, il faut le faire vivre. Et cette tour Montparnasse, elle n'est pas faite là, effectivement, pour rester toujours étêtée comme la tour du Concorde qui est derrière. C'est pas automatique. Et l'art, il peut servir à ça aussi. Il va servir à d'autres sensations de la ville, à d'autres identifications, à d'autres désirs de la parcourir, de la visiter, de venir la voir, de la sentir dans la lumière, dans la nuit. Je crois beaucoup au retour de Paris, ville-lumière, avec l'art aussi, à travers tout un travail sur le périphérique qui devient une grande sculpture
d'urban art, on pourrait dire, bon, qui appartient à la fois au Paris historique et au Paris métropole, et qui est et sur lesquels les plus grands artistes peuvent la nuit marquer le territoire, et sur la Seine aussi, et sur les hauteurs aussi, et je crois la lumière de Paris ambrée et dorée qui prendrait la ponctuation de tous les sommets et qui viendrait ensuite marquer ce que j'appelle les pistes, autrement dit, tout c'est la nature de l'éclairage, tout ça. Bon, tout ça ne peut pas être dissocié de l'art. Et cet art, il doit exister dans toutes les communes. Ça doit être à chaque fois une remise en cause et une invention de nouveaux critères de commande publique pour assumer une qualité. Et Daniel Buren parle des conditions qui sont très très importantes de cela. Et ça, ce serait sûrement le moyen le plus sûr de refaire de Paris la capitale artistique mondiale.